Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient pour une page de Journal Art. Donc ça sera ma dernière page de mon abécédaire Disney, Journal Art Disney. Donc avec la lettre Z, hein. C'est logique, Z, abécédaire, tout ça, la dernière lettre c'est le Z, enfin bref. Voilà, donc c'est Zip de Belle et la Bête. Rien de plus simple. Je vous lance donc ce papa tout de suite qui est assez rapide parce que j'ai tout mis en accéléré, j'ai tout dessiné, j'ai tout peint et je n'ai pas beaucoup parlé. Voilà, enfin bref. Je vous lance donc ce papa tout de suite et je reviens tout de suite après.
page, comme vous avez pu la voir, franchement, elle a été assez rapide parce que bah, j'ai tout dessiné, j'ai tout peint, comme je l'ai dit au tout début. Et je n'ai pas fait de collage, je n'ai pas fait de truc, j'ai été obligé de vous pouvez peut-être le voir là, que ça brille, en fait, j'ai été obligé de remettre du scotch. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc j'ai utilisé juste deux pochoirs. C'est Alpha Ligne et Alpha 3, si je me rappelle bien. C'est le seul truc produit et c'est deuxième studio que j'ai utilisé. Après, c'est que de la peinture et du coloriage et de l'aquarelle et tout ça. Enfin bref, voilà. Donc j'ai été obligé, je l'ai fini. Donc voilà, j'ai même commencé à faire la couverture. Donc j'ai juste mis un vieux jean que j'avais et que voilà, il faut que je fasse le devant. Je vous explique un peu pourquoi j'ai mis du scotch, parce qu'en fait il restait quand même pas mal de pages sur la fin. J'ai voulu l'enlever pour que ça soit moins épais et moins sur le début, comme je sais pas comment expliquer, parce qu'en fait tout est au début, en fait les épaisseurs, et à la fin ça faisait tout plat, et en fait voilà, enfin bref. Et en enlevant tout, ça s'est décollé. Comme le Y sur la page, en fait le X, il n'y a rien, parce que je me doute que vous allez vous poser la question. Oui, le X, t'as fait quoi? Donc X, il n'y en a pas. X, je vais regarder. Et en fait Y, j'étais pas du tout inspiré sur le Y. Donc il y en a 5 ou 6 des prénoms avec Y. J'étais pas du tout inspiré. J'avais laissé une page double pour pouvoir la faire. Le seul inconvénient, c'est comme je vous dis, j'ai en enlevant la fin, j'ai tout, en fait, toute la fin s'est décollée. C'est découlé. Donc j'ai été obligé de coller cette double page que j'avais laissée pour le Y au cas où. Je m'étais dit finalement que j'allais sûrement la faire pour, voilà, pour qu'il soit complet tout ça. Et finalement, bah, y aura pas de Y. Voilà. Donc voici mon journal art. Je compte faire la couverture plutôt simple. Dites-moi si vous voulez un récapitulatif de toutes les pages. Je vous ferai un petit live au pire. Ah non, peut-être pas un live parce qu'il va falloir faire les caméras et tout ça. Mais pourquoi pas faire une petite présentation de tout ce journal art qui m'a pris une bonne année de travail. Voilà, j'avais prévu de l'offrir, mais en fait pas mal de mes abonnés m'ont dissuadé de le faire parce que c'est quand même plus d'un an de travail, et qu'il fallait quand même que je garde mon travail pour mes enfants et tout ça. Voilà, donc techniquement, fatalement, je les écoute et je vais le garder pour mes enfants, pour quand je serai plus vieux, je ferai « Ah, j'étais un artiste! Ah, je m'en rappelle plus !» Ouais, c'était nul, je l'avoue. Voilà, j'espère que cette page vous aura plu, que le blabla vous aura plu. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas autant blablaté sur une page de... sur ma chaîne créa, hein, on est d'accord. Bah, et depuis que j'ai ma chaîne de vlog, hein, bah, je parle sur le vlog et je parle moins sur la créa. On est d'accord. Allez, j'arrête là. N'hésite pas à mettre ton pouce bleu, ton petit commentaire sur la page. Voilà, si tu veux voir entièrement le vlog. Chut. Ouais, je pars en cacahuète. On est d'accord. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.